Bon, là, on va essayer les vraies affaires. Moi, là, ça fait longtemps que je dis que toutes les couleurs d'Esketos, ils goûtent toutes la même affaire. Ils ont toutes la même saveur. Les Esketos, là, ça goûte toutes la même c***** d'affaires. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non! Puis Marielle, ben, elle dit le contraire. Elle est convaincue que toutes les couleurs, ils ont une saveur différente. Mais aujourd'hui, on va savoir qui a raison. Fait que laissez-moi vous expliquer comment ça va se passer. Premièrement, on s'assied à une table, puis on goûte à toutes les couleurs d'Esketos. Tu sais, pour voir s'il y a une saveur. Vas-y. Ça, c'est orange. Ça, c'est fraise. Maintenant qu'on sait à quoi ça goûte, on peut commencer l'expérience. C'est-à-dire que chacun notre tour, les yeux bandés, on va goûter à 10 Skittles. Un par un, puis c'est l'autre personne qui choisit la couleur. Vous l'aurez probablement deviné, il faut essayer de deviner la bonne couleur qu'on vient de goûter. C'est parti! On va dire citron. Bon. Orange. Mauve. Fraise. Orange. Mauve. Jaune. Vert. Whatever. Mauve. I guess rouge. Mauve. Orange. Vert. Ça, c'est rouge. Mauve. Ah, peut-être jaune. Jaune. Orange. Jaune. Orange. Ensuite de ça, on donne notre impression sur le score qu'on a obtenu. Sur 10. Puis sur 10, comment tu donnerais? 2. Non, pour vrai, réalistement, sans... 4. Je pense que tu as eu 4? Mm-hmm. Ok. Ça serait juste logique que j'aurais eu comme un 2 sur 10, juste par chance. Fait que je vais me donner 4. Parce que je me sens chanceux. Fait que c'est pas plus dur que ça. C'est maintenant le temps d'aller voir les résultats finaux. Les résultats finaux. Un sur 10? À cause j'ai changé de mot. T'as dit mauve, là je suis comme oh my god, il va vraiment avoir 0 sur 10, il va être pissed. Là t'as dit jaune, j'ai marqué, yay! Toi là, 6 sur 10. Hein? C'est quoi, j'ai une mal? T'as torché. Souvent un rouge vert, t'as avais allé deux fois. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais raison, ok? On va se le dire tout de suite là. Toutes les couleurs d'Esketos, ça goûte toutes la même c***** d'affaires. Ok, non, plus sérieusement, on peut dire que chaque couleur d'Esketos a un goût différent. Mais chaque couleur de Skittles a un goût qui se ressemble beaucoup. C'est-à-dire que quand tu vois pas la couleur que tu manges, c'est vraiment dur de différencier chaque couleur, mettons. Moi, je pense que ça résume pas mal. Puis pour répondre à la question qui avait raison entre moi et Marielle, je pense qu'on avait toutes les deux raison. Mais je pense que j'avais plus raison. Tu sais, Marielle, elle connaissait mieux les goûts de Skittles parce qu'elle est plus une grande fan de Skittles que moi. Puis on peut voir, là, ça paraît dans les résultats. Elle a eu 6 sur 10, moi j'ai eu 1 sur 10. Puis aussi, ben ça se peut que moi je goûte moins qu'elle. Ou tu sais, il y a plein d'affaires qui rentrent en jeu. Mais si on voudrait faire une vraie bonne expérience, il faudrait qu'il y aurait genre 50 personnes qui goûtent à des Skittles. Puis on évalue les scores de tout le monde. Bon, j'imagine que la vidéo a pas été très très longue cette semaine, ok? Je l'ai pas monté en cours, là. Je vois pas dans le futur, je suis pas un... Je suis pas un dieu, là. Mais si tu veux m'encourager pis que t'apprécies les vidéos que je fais, ben, à place de liker ou de commenter, la prochaine fois que t'écoutes une vidéo, écoute-la avec quelqu'un d'autre. Ok? Écoute-la avec quelqu'un qui me connaît pas. Si tu veux m'encourager, là, fais ça. Ça va m'aider pas mal. Merci beaucoup. Oublie pas de montrer ma vidéo à quelqu'un d'autre ou même une de mes vieilles vidéos. Ta vidéo préférée, hein? Choisis, y'en a... Choisis dans le package, y'en a 100 quelques, là. Fait que... Fais qu'est-ce que tu veux. Ça repogne. Pauvre, les Skittles, c'est pas bon, là.